Thank you.
Et tu n'es qu'à l'autre, et à ta porte, à l'autre.
Parfois, vous ne rattrapez pas le don, ou c'est la cadence qui vous lâche.
c'est le cœur qui n'arrive pas à vous rattraper, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quiconque qui se retrouve au milieu du cercle du rythme tiendrait à l'obligation de véhiculer la culture mariée, déjà à travers la langue. La danse, dans le cercle du tiendrait, c'est Marie. Donc, nous avons notre façon de danser qui est exceptionnelle. Lorsque vous connaissez très bien le tiendrait et la danse du mari, que vous retrouvez au milieu du cercle du tiendrait, quelqu'un d'amoureux pour un million, vous constatez que lui, excusez-moi, il n'est pas marié. Sa façon de danser, les pas de danse qu'il fait sont parfois trop larges, ou ses bras font trop de mouvements, quittent trop le corps. C'est le cas des fonds, par exemple. Les bras s'écartent un peu trop du corps, mais chez nous, le bras est collé, les deux bras sont collés au corps. Et le mouvement est, je dirais, à partir des épaules jusqu'au ventre et à la hanche un peu. C'est Marie. Et ça, j'ai déjà envie de dire que tous ceux qui font le tiendrait, ainsi de suite, il y a plusieurs exemples à citer, sont obligés d'adopter ça. Voilà pourquoi je suis en accord avec l'auteur quand elle dit que c'est une musique identitaire de Marie. Ça veut dire que quand vous le faites, vous appelez quelque chose du mari, vous renseignez les autres sur quelque chose du mari, vous faites la promotion de quelque chose du mari. Je parlais de la danse, je parlais de la langue, je pourrais parler aussi de la tenue. Il y a des tenues que lorsque vous les mettez, vous dansez difficilement le jambon. Vous ne pouvez pas danser le jambon en jean par exemple, en pantalon jean. Ainsi de suite, ainsi de suite. Monsieur Walilou reprend un amour et qui est le auteur des éditions Nagazine. Dites-nous, monsieur Walilou, quel a été votre. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter d'éditer cet essai, surtout que c'est d'une jeune écrivaine. Vous avez dû certainement vous convaincre de quelque chose pour accepter qu'elle n'a désiré votre édition, hein, plus qu'éditer ce tout premier essai de madame Juliette. Merci beaucoup, madame Juliette Bakhi-Petit, je vous prie. Je vous aurais le dit parce que mon parent n'a pas de son courage. Et il est dit que les génies n'appliquent pas les propos. Donc, elle est à la hauteur de son entreprise. Vous savez, la littérature telle que nous l'avons connue, on a l'impression que nous n'avons pas les valeurs chez nous. Et lorsque on se positionne dans les milieux intellectuels, les savants qu'on nous cite, c'est peut-être Victor Hugo, c'est Montesquieu et autres. Mais lorsqu'on fouille de fond à fond, on découvre que le talent qu'on attribue à ces érudits, auteurs, sont nos valeurs qui ont été puisées et transformées. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Lorsqu'on veut faire de la poésie, il faut parler de l'amour. Et en cela, tout le monde connaît aujourd'hui des auteurs comme Voltaire, comme Victor Hugo. Mais lorsque vous revenez chez nous, la source de leur talent se retrouve dans vos parisiens. Lorsque je prends un clan comme les Ananou de Bon, pour magnifier, on va parler de Ayo Ayo, Ayo Kamada, Ayo Lolo, Lolo. Donc vous prenez le mot pour nous garder, pour nous garder. Je suis sûr, lorsque vous êtes homme et que vous récitez, vous salmodiez cette panégyrique à votre matière, vous devez l'instituer. Mais
cela, si c'est cela la réalité des choses, pourquoi nous, éditeurs, qui sommes en Afrique, qui sommes au Bénin, nous allons continuer à promouvoir les valeurs exogènes? Il est normal que nous revenions en nous-mêmes pour désormais parler de nous à nous-mêmes. C'est dans cette perspective que les éditions d'Agézé s'inscrivent dans le concept du savoir fondamental. Et lorsque nous parlons du savoir fondamental, c'est d'abord les réalités de chez nous. Lorsqu'on nous amène un manuscrit, ça a beau être beau, excusez la tautologie, si je ne ressens pas l'Afrique de l'homme, ce n'est pas la peine. Si un auteur amène peut-être un recueil de contes, un Béninois, un Sénégalais, un Togolais amène un recueil de contes, et dans ces récits, je découvre que quelque part on parle d'un personnage qui est rentré dans une maison à étage, son manuscrit est confisqué. Parce qu'on ne peut pas retrouver de bâtiment à étage dans les contes africains. C'est des concepts beaucoup plus récents. Mais lorsque j'ai pris l'angle avec Madame Juliette en début de cette année, j'ai très tôt compris, sans même avoir son texte, qu'elle s'inscrit directement dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Ce qu'elle a comme projet, c'est du savoir fondamental. Parce que, tel que mon prédécesseur l'a dit, elle s'est inscrite dans la dynamique de révéler son milieu natal. Et c'est de cela que nous avons besoin. Aujourd'hui, tout le monde connaît au milieu le rythme qui est venu. Mais combien parmi nous peuvent parler de son historique? Qu'est-ce que ce rythme a été au XVIIIe siècle? Aujourd'hui, quelles sont les péripéties de ce rythme? Je suis sûr qu'elle va revenir là-dessus, qu'il y a des gens qui veulent détourner l'histoire, veulent truquer l'histoire en s'arrogeant de la propriété intellectuelle de nos membres. Si des gens comme Juliette ne se réveillent pas, c'est sûr que demain, nos enfants vont se perdre parce qu'ils n'ont plus accès à l'histoire. Peut-être que le demain sera toujours joué, mais on aura perdu ce que le rythme doit avoir peut-être comme tonalité, ce que le rythme doit avoir comme un fond. Puisque le Tchigoumé, ce que cela disait, aujourd'hui, je suis sûr que 70% des artistes ne respectent plus ce rythme. C'est le point tien de dodo. C'est des onomatopées. Il n'y a plus de son authentique qui parle. Donc, il va falloir que, à partir de l'œuvre qu'on lance aujourd'hui, que les artistes retournent encore à l'école du savoir fondamental, de l'authenticité, pour que demain, la postérité ait quelque chose de vraiment bien, de vraiment focal. Et je suis sûr que quelqu'un s'est lancé, elle ne va pas s'arrêter en plus si bon chemin. Tout à l'heure, ils ont exécuté le combat. Moi, je suis du Cameroun, je suis d'Agobé 100%. Il y a du combat chez nous. Mais ce qui est exécuté tout à l'heure, ce n'est pas le combat du Cameroun, ce n'est pas le combat des saints. Il va falloir qu'elle travaille encore pour révéler ce bouquin, sa valeur. Et maintenant, l'entreprise n'est pas à elle seule.
Et lorsque je voulais parler des maris, il y a deux facettes. Les maris Monceau, de la région des collines, les maris Basoko, de la région Abondo. Quand on prend toutes ces entités, les valeurs qu'elles ont au niveau de la culture sont énormes. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand on va partir à Bonny, on va encore trouver l'artiste qui va faire le lomba comme Pernod Mouli. Il est tellement inspiré, M. Wanilo, l'éditeur, auteur des éditions, il a quitté donc l'aspect édition pour aborder, tout comme Eric Bemamon, l'aspect magie donc, de cet ouvrage. Avant que de revenir sur le plateau et permettre à Madame Juliette Baguidi de nous parler de l'origine du rythme tchinkoumen, je voudrais me permettre de dire merci à quelques personnalités qui ont accepté d'être des témoins oculaires de cet événement inédit. Il s'agit donc du DG Adifon René, Adison René, pardon, qui est le patron de Assis. Le DG, voilà, le DG Assis, qui fait vraiment beaucoup, beaucoup, hein, pour ce que je salue la présence parmi nous de l'honorable Valère Thuron. Merci, honorable, d'être parmi nous. Mon aimé Guy Paco de la radio Topa, le plus humble de tous les journalistes de Bénin, il mérite encore beaucoup plus d'applaudissements. Ah d'accord, Alta Evariste, qui est le directeur général de l'ancien directeur général de la SOGEMA. Merci, merci, merci à vous. Ah d'accord, Patrick de Vesta. Ah mais l'ancienne mère à Calon, Célestine, je vous remercie. Merci. Merci madame. On dit madame la mère ou madame. Le directeur général de la BC, monsieur Saïdouni, Edgar, voilà. Le directeur général de l'assurance vie, M. Chapin, merci. Je voudrais lui dire d'accepter l'invitation d'un artiste pour une brève prestation. Il s'agit donc de l'artiste Agonti. De l'artiste Agonti que j'invite pour sa prestation. L'artiste Agonti. Et on va aller.
Oh, my God.
la mission du ministre de la Culture, M. Jean-Michel Amiot, l'a porté, et s'il est empêché, vous savez, le chef de l'État est entouré, donc le ministre est empêché. Il a démetté justement le directeur, le tout nouveau directeur des arts et du livre, M. Bertie Caro, à le représenter à cette conférence. De l'importance que l'initiative a et qui entre dans le cadre de l'action gouvernementale, beaucoup plus particulièrement de la culture. Mesdames et messieurs les membres de l'association Enfants Marie de Bénin, mesdames et messieurs les responsables à divers niveaux et membres de l'association de Bénin, chers têtes couronnées, chers amis professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, chers amis de la culture et amoureux du livre bénin, distingués invités, ne voulons pas là. J'espère que vous êtes dit. Ne voulons pas là. Mes premiers propos sont d'exprimer à ce beau public les mots de salutation, de remerciement et d'accompagnement du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Jean-Michel Abimola, que j'ai l'honneur de représenter ici. Il a souhaité être présent à vos côtés, mais d'autres contraintes calendaires ont empêché. Notre invitation à ce lancement du livre de Victorien Coué, toujours dans ce charmant et accueillant espace que nous offre Madame Juliette Onanor Baridi Berti, est l'occasion pour nous de lui exprimer nos félicitations et tout notre soutien à son initiative qui enrichit le patrimoine éditorial de notre pays. La sortie du livre Le rythme tient point du fondateur Alisson honore tout le Bénin car il n'est pas seulement affecté aux populations mafiques, mais à tous les autres groupes sociaux et linguistiques de notre beau pays. Je suis heureux, le roi Ton Monstam, qui a valorisé le Tink System, je dirais qui a valorisé le Tink Point à travers le Tink System, qui l'a fait connaître à l'extérieur. Et c'est à cause du Tink System que Ton Monstam est rentré dans le dictionnaire Larousse. J'aimerais bien qu'on ovationne pour lui à de lui lever pour une minute de silence. J'aimerais bien qu'on en fassionne encore pour qui a compris qu'à travers la modernisation de nos rites, on pourrait mieux vendre notre pays et qu'à travers cette modernisation de nos rites, on pourrait avoir notre identité. Nous avons assez de rythme au Bénin que nous pouvons sérieusement valoriser. Nos artistes, musiciens aujourd'hui prennent dans le rythme, je dirais, étranger, parce qu'ils veulent que la population applaudisse ce qui vient de l'extérieur. Malheureusement, ça ne nous arrange pas forcément. Alors, j'aimerais dire une fois encore félicitations à ma chère maman qui a bien voulu m'inviter. C'est la première fois que je viens à une manifestation juste après ma nomination. Donc je la remercie pour avoir fait cet honneur, et je remercie le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, pour m'avoir demandé, instruit, de le représenter ici. Je vais dire aux autres artistes qui n'ont pas encore resté que j'attendrai pour découvrir mieux
authentique et authentique, je vous remercie. C'était notre privilège de répondre du ministre de la Culture, M. Jean-Michel Abdul-Bonnard, présenté par le tout nouveau directeur des arts et du livre, M. Bézard Tchitchaou. Je vous souhaite de comprendre ce que c'est que le Martin Monceau, le Martin Faso. Merci. Martin Monceau, Martin Faso, c'est vraiment très simple. Le Martin Monceau, c'est le mari dans la région de l'Ordre de Colline. Les Marquis Barsoko, c'est ça. Les Marquis Monceau, c'est ceux dans la région de l'Ordre de Colline. Ça, c'est l'aspect physique. Mais en dehors de cet aspect physique, il y a des traits. Des traits, quelques traits qui différencient les deux Marquis. La langue semble être la même pour ceux qui ne sont pas mariés, ou ceux qui ne s'y connaissent pas véritablement à l'industrie. Mais en réalité, il y a des, je dirais qu'il y a des subtilités, il y a quelques nuances. Toutes les deux langues sont des langues d'abréviation extrême. C'est des langues. Cette solo a envie de dire de courtisans, de parfaits courtisans. Elles sont belles. C'est joli à porter. Et très vite, ça séduit. Tant du côté des Martin Monceau que du côté des Martin Barsoko. Mais dès lors qu'un Martin Barsoko parle, on sait que c'est un Martin Barsoko qui parle. Et lorsqu'un Martin Monceau parle, on sait que c'est un Martin Monceau qui parle. Après ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce sera tout. Ceux qui le savent, le savent. Pour vous qui ne savez pas, vous allez retenir qu'ils n'ont pas de commune chez eux. Ils ont une langue qui s'apparente un peu à celle de Marquis Monceau, mais qui n'est pas tout à fait la même. Merci, Eric. Lorsqu'on tourne vers l'éditeur, monsieur, vous pas dit. Pardon. Un exemple, les Agonéou sont des Marquis Passeau. Les Samalou sont des Marquis Monceau. Vous aurez tout dit, non? Merci beaucoup. C'est aussi simple. Ouais. Monsieur Wanilo, avez-vous déjà prévu par rapport à la promotion donc, de l'Iclo, Tchèque-Moumen, ce qui c'est, les défis que vous avez déjà mis en place, des unités de marketing pour pouvoir mieux faire la promotion de. Une chose est de parler en mort et une chose est de le commercialiser. Et je pense que la promotion du livre, nous y sommes déjà. Quand on procède au lancement d'un livre, c'est déjà de la promotion parce que cet après-midi, nous donnons de la valeur à ce qui est fait. Nous sommes en train de mettre en lumière tout le travail de la Madame Chibiati. Ce n'est pas tous les livres publiés qui sont lancés. Si vous êtes connecté peut-être au forum WhatsApp, presque toutes les semaines, vous allez voir des annonces de publication. Mais ce n'est pas évident que vous allez retrouver facilement ces ouvrages dans les rayons des librairies et des bibliothèques. Parce qu'il n'y a plus d'efforts d'accompagnement. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est des initiatives du genre qu'il faut encourager en matière d'édition. Maintenant, il y a l'autre aspect que des gens écrivent, ils lancent, ils font des cérémonies de lancement et juste le lendemain, le livre disparaît. Je pense que nous ne sommes pas dans cette dynamique. Avant qu'on ne se retrouve dans cette salle, l'ouvrage est déjà disponible dans les librairies, dans les grandes librairies de Cotonou. Et
Bien maintenant, les efforts sont toujours en cours pour que cela soit disponible non seulement au Bénin, mais dans le monde entier. Et quelle que soit la position géographique, n'importe qui peut avoir accès à ce ouvrage. Merci. Thank you.
Pour les bravos, pour la foi.
Thank you.
Et nous allons discuter.
Mexico s'est engagé ferme de la première autorité de la ville de Savané. Donc on est bien sûr l'honneur et l'honneur à toute la population de la ville de Savané. Merci monsieur le maire. Restez encore avec nous. Nous allons Tchéroumé, nous vivons Tchéroumé. Sit down, wait, I'm going to go. Sit down, wait, I'm going to go. Sit down, wait, I'm going to go.
Et la France.